Caution. Chorale terminée. Deux, trois, quatre, six, sept, huit, dix. Et là, on a un petit problème, on a un bouclier qui a sauté. Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre, c'est beaucoup moins ordonné, mais j'essaie de faire en sorte de... Par exemple, c'est que si j'aurais dû... Non, je vais garder une place au milieu pour me faire un bouclier. Un bouclier ici. Un bouclier ici. Ça ici. Là, on va reconstruire. Là. Donc là, masse, je suis à 372. D'accord. Le bouclier ici, je vais l'abandonner. Il est au mauvais endroit. C'est comme ça que vous faites. Vous testez, vous positionnez le bouclier, vous mettez un endroit, vous testez. Si vous voyez qu'à chaque fois que vous posez ici, il est détruit par les crashs. Vous essayez soit de le reculer, soit de l'avancer. Ici, je fais que d'avancer. Quoique, pas bon endroit. Ici, c'est bien. Vérifiez vos objectifs si nécessaire, commandeur. Non, j'ai pas pris mon navire. Sachez qu'il n'est pas aberrant de... Comment s'appelle ça, de remplacer les améliorations de ressources du commandant par un bouclier. Parce qu'au moins ça vous évite de les rush sur le commandant et de le perdre bêtement. Donc ici... Ça a l'air bon. Est-ce que je peux construire les... Allez, on va y construire. Il me faut mes nukes de toute façon, donc plus vite sont construits, mieux c'est. Je vais vous présenter les défenses qu'il y a autour du soleil noir, voilà. Enfin, du centre de contrôle. Vous devez capturer le centre de contrôle. Ah, c'est traditionnel en défense. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il me faut quelques bombardiers stratégiques. Pour pouvoir faire face à tout ça. D'ailleurs, ça demande que 156. Aider le commandant. Normalement là j'en ai mis trop, mais on va voir. Ouais, il y en a quelques-uns en trop. Et on construit ça. Voilà. Comme ça moi je divise par deux le temps de construction.
laisser manger si vous attendez 83 minutes 20 pour en construire un. À mon avis, vous attendriez pas autant de temps. Donc on va faire un autre bouclier ici. Non, je vais le mettre là-haut. Alors on va finir par mettre des boucliers partout. Le plan de la princesse repose sur la capture du centre de contrôle, championne. Coral terminé. Bien ici, et après on regardera où il y a des trous au niveau des boucliers. Pour s'y attarder et les corriger. Ici il faut 90, j'ai pas 90 en ressources en RAB. Alors à mon avis j'aurai un problème de bouclier ici. Ouais bah j'en ai déjà un là, ça c'est sûr. Alors un bouclier ici. Et un ici. Il y a un petit trou bouclier ici. Bon, c'est pas trop grave. Tant que mes boucliers tiennent sur le côté, mes bâtiments sont intacts. Malgré tous les crashs. Donc à ce niveau-là, ça devrait faire. Ça sert des ponts. Vérifiez vos objectifs si nécessaire, commandeur. Coral terminé. Et derrière ici, on va construire nos usines de production pour le navire. Comme ça. Étant donné que l'ennemi va toujours essayer de passer devant, et si jamais il arrive à détruire la fortification devant, il va contourner pour arriver derrière. Normalement, vous avez le temps de voir venir et de réagir. Est bon. Comme toujours, on est en attente de missiles. C'est toujours assez long, mais bon, au moins on va pas tous les avoir. Et après, derrière, on va partir sur 4 tourelles d'artillerie. Eux vont peut-être venir l'aider parce que j'ai l'impression que j'ai pas assez de masse. Allez-y, gars! Hop! Ah, suivant! Hop! Voilà! Vous devez capturer le centre de contrôle, championne! Terminé. Bon, c'est vrai que j'avais oublié que ça prenait ici 200 en masse, mais bon, c'est pas grave. Alors, une nuke par fortification. Et l'artillerie s'occupera de nettoyer ce qui restera à nettoyer après sur l'île. Donc. Une ici
et une ici. Et vu qu'une défense carapace là, je vais éviter d'envoyer un sur le centre de contrôle. Parce que le centre de contrôle est indestructible de toute façon, c'est pour ça que je pourrais me permettre. Et voilà. Voilà. Ça va vite, c'est vite nettoyé et on est content. Ah, j'ai fini une tourelle d'artillerie lourde. Alors, la priorité de l'artillerie, c'est de dégommer le système anti-atomique. Enfin, comme toujours, quoi. Oui, quand même. Bon, bah, on va. Alors, par défaut, cette faction a plus de place entre les usines navales, je sais pas pourquoi. Peut-être pour la navigation. Bon, normalement, une pièce. La princesse repose sur la capture du centre de contrôle, championne. Corral terminé. Une pièce d'artillerie sera insuffisante, mais il va uniquement réussir à désactiver les boucliers l'un à la suite de l'autre et ils vont avoir le temps de se régénérer avant de passer les boucliers. Voilà, ils sont arrêtés par les tirs de bouclier. Mais bon, l'artillerie, l'avantage, c'est que ça peut toujours être pratique pour après contrer les navires. Et ça, on va pas dire non. Donc les deux là maintenant vont bombarder cette position. Et vous inquiétez pas, le centre de contrôle est invulnérable. Donc premier bouclier détruit, normalement maintenant ils vont pouvoir me détruire ça. Dès qu'ils seront un peu plus concentrés sur la précision. Ah, il y a des ruptures de masse. Logique. Logique, je construis mes défenses aussi. Ah bah voilà. Je crois que c'est le 4 qui a pas encore tiré sa nuke. Oui, c'est le 4. Voilà. Menu. Sauvegarder. On va prévoir le coup. J'ai un doute en fait par rapport au nuke. Pour savoir si c'est vrai, si le centre de contrôle est vraiment invulnérable. On va vérifier. Vérifiez vos objectifs si nécessaire, commandeur. Normalement oui. Voilà. C'est ça, c'est bien vulnérable. Donc vous pouvez pas le détruire accidentellement. Ce qui est une bonne idée, parce qu'au moins. Ça lève ce doute là. Par contre, oui, ça va demander un peu de temps. Hein. J'ai jamais fait attention à quoi ressemble vraiment cette pièce d'artillerie. C'est pas trop mal, je trouve. Donc maintenant on va construire des intercepteurs pour neutraliser la chasse qui est ici.
vais capturer le centre de contrôle, championne. Coral terminé. Je sais, il y a du gaspillage. Ouais, la pénalité. Maintenant, on les envoie. Et là, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils renvoient après des unités redéfendre de centre de contrôle ou pas? Alors là où ils vont construire une salve de cuirassés, deux salves de croisières, deux salves de destroyers. Ouais, donc ils rendent bien des défenses, enfin des unités en défense une fois qu'on a... Le plan de la princesse repose sur la capture du centre de contrôle, championne. Coral terminé. Non, c'est pas dur. J'ai plus de chasseurs que... Gagner le duel. Là en fait il faut que j'arrive à envoyer mes drones de l'autre côté. Et généralement, ce qui se passe, c'est que les transporteurs se font allumer avant d'arriver. C'est pour ça que j'envoie plein de des drones, des ingénieurs. C'est pour ça que j'en envoie autant. Je vais en envoyer 20. On va construire deux groupes. Ça ira plus vite. C'est-à-dire que même si les vaisseaux de combat ont des capacités anti-arène, c'est vraiment moins adapté que des chasseurs. Voilà, donc vos ingénieurs, vous mettez vos transporteurs au-dessus de l'eau. Il prend forcément les deux mêmes. Okay. Voilà, ici, je crois qu'ici il en manque un. Oui. Alors après, j'en veux deux ici. Il en met deux autres là-haut. Deux autres là. Toi, il va y aller. Voilà. Donc maintenant, on va prévoir les vaisseaux de combat. Terminé. Donc mes cuirassés vont aller là-haut. Alors j'attends en fait d'avoir une autre escorte de chasseurs avant d'envoyer tout ce que j'ai. Maintenant, on envoie bah, 20. Si ça se passe bien, normalement, les 20 devraient s'en sortir. Mais au moins, il n'y en a jamais 20 qui s'en sort, à tour à moitié qui meurt.
Mais vu que cette fois-ci j'ai des chasses. Vu que là mes chasseurs sont pris en chasse toute leur chasse. Allez, on va y d'avoir. Ouais. Ici, on va construire. On va mettre en place notre base terrestre. Là, vous oubliez que l'artillerie arrive des dégâts collatéraux à mes troupes. Alors maintenant, mettre des défenses de tech 2 anti de tech 3 anti-aérienne. Puis après on va fortifier le centre de contrôle. Là, on a vu quelques tirs assez dérangeants. Alors, priorité, là, vu qu'il m'en reste pas beaucoup au boxeur. À l'artillerie, puis après au reste. Vous devez capturer le centre de contrôle, championne. Coral terminé. Et j'ai perdu une bonne partie de mon aviation, là, par contre. C'est pas trop grave encore. Par contre, j'ai perdu beaucoup de. Ah non, c'est parce qu'il y a une partie là-haut. Bon. Ah, mon escadre là-haut est prête. Donc là maintenant il me reste plus qu'à finir mes installations de défense. Et mon escadre, avant de capturer, mon escadre devrait déjà être parti pour se mettre en position ici. Il
Par contre, on a retiré. Je vais peut-être passer ça en contrôle 5 et leur couper le feu parce qu'ils sont. Ils sont pas méchants, mais ils font un peu n'importe quoi, quoi. Ça aussi ici. Maintenant, prévoir mon armée terrestre.